Et bonjour à tous, Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis, on est sur Dislikes et deux nouveaux espères viennent d'apparaître en jeu dont un légendaire, Ahmed, un personnage soutien de type vent qui a l'air très intéressant, qui a l'air de pouvoir heal très souvent. On va essayer de le pécho. Il y a aussi un deuxième petit perso qui est un espèce de DPS qui pose du sommeil, dont je me souviens plus le nom, Dionysos, un truc comme ça. J'ai 100 invoques à lâcher dans ces deux persos, sachant que dans 99 rotations, j'ai la pitié. Autre chose à savoir, c'est que je vais récupérer quelques disques scintillants ici, 10 en tout. Donc potentiellement, on en ouvre 110 quoi. Alors, on va essayer de le choper le plus rapidement possible, bien entendu. Mais voilà, alors Ahmed, pourquoi je tire dessus ? C'est un heal qui a l'air d'être capable de healer très souvent, c'est extrêmement intéressant. J'avais pas tiré sur Oli, je le trouvais sur le papier pas très fort, et en fait Oli en holo combat c'est juste phénoménal. Donc là quand il y a des légendaires, je vais essayer de tirer dessus. Quand il y a des nouveaux espères qui sortent avec des légendaires comme ça, on va clairement essayer de tirer dessus. Hormis ça, qu'est-ce que j'aimerais ? J'aimerais Ounas, j'aimerais... qu'est-ce que j'aimerais d'autre ? J'aimerais vraiment Ounas. Je sais pas. Ouais, il y a 2-3 trucs qui peuvent tomber, qui peuvent être intéressants à voir. À voir. Allez, c'est Tipar. Souhaitez-moi bonne chance, les gars. Let's go. Et le remix. Ok, pas de légendaire. Un violet, par contre. Un violet. Ça peut être intéressant. Bleu, bleu, bleu. Un seul violet. Ok. Petit lag. Bardon. Bardon, Bardon. Tangyun, ok. Zelmer. Shampoo, Jeanne, Hall, Freddy Krueger, Elena, Berenice et une petite... Ah non. Ok, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Xiyuzi, je l'ai déjà. Donc, mais bon, ça va se foudre, hein. Ça va se foudre et ça va récupérer du... Ça va directement récupérer du... De l'étoilium. Oh, let's go! Let's go, le légendaire qui tombe, les gars! Let's go. Allez, deux légendaires. Deux légendaires. Un légendaire, un scintillant. Alors, Zelmer, ok. Oh, let's go, je l'avais pas! Je l'avais pas! Énorme! Trop bien, Sienna! Mais trop bien, je l'avais pas. Top! Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon, la pitié repart à zéro, du coup. Il n'y avait pas un scintillant ? Il est déjà passé ? Il est peut-être déjà passé, hein. Il est totalement déjà passé, en fait. Ah oui, c'était Chalmers. Ok. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. J'avais pas Sienna. Inflige les gars à tous les ennemis au hauteur de 100% de l'attaque. La réalité, c'est fini par récupérer 0% de CPA, 40% de chance de infliger étourdissement. Octroie hausse de l'attaque et hausse de la vitesse à tous les espères alliés pendant 2 tours. Let's go! En plus, c'est pas très cher à Ups. Hein. Ouais. Inflige un ennemi des dégâts 100% de l'attaque, octroie 15% de PA supplémentaire à Gaïa et un allié aléatoire. Et ben, c'est très bien! Je l'avais pas, comme ça, c'est fait. Donc la pitié repart à 0 du coup. Hop! Allez, un petit légendaire encore là d'entrée de jeu. Un petit violet des familles. Un petit... Qu'est-ce que je voudrais? De la Chloé pour pouvoir la... l'éveiller encore plus. Ça serait pas mal. Parce que je n'ai que deux éveils. Enfin, deux résonances. All. Zelmer, ok. Ouais. Ah! Et c'est Sander. Oui, on veut bien travailler avec toi. Ouais, oh, c'est pas déconnant, il est pas up au max le mien, donc il est pas raisonné à fond, donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse totalement, ouais. Ouais. Très très bon up ça. Ok, un petit Sander qui tombe, tranquillou. On est à combien? Il nous reste 70. Et je suis à 60, je suis à 100, 100 de la pitié. Encore un violet. C'est pas mal, pour l'instant on est bien. Les violets ça fait très très plaisir, ça lâche des étoilium 4. En plus je les ai pas tous, hein. Clairement j'ai pas tous les 4, j'ai pas tous les 4 étoiles. Alors, Tangyun, Brain, Drew, ok, pas mal. Ah, alors, let's go. Ah, je l'ai déjà ça. Je crois que je l'ai déjà. C'est même pas sûr en fait, je l'ai peut-être même pas celui-là, Renzi. Pas, je vois le perso,
pas ouf, mais pas sûr de l'avoir. Ah si, je l'ai. Là, je le reconnais mieux. Ok. Il nous reste 60. C'est pas fini, hein. Let's go. Du bleu. Fallait que ça tombe à un moment donné. Fallait forcément que ça tombe à un moment donné. On peut le passer, hein. C'est du bleu, hein. Osef. Hein. Osef un peu. Ok. Il nous en reste 50. Let's go. Allez, un petit légendaire. Ce serait pas mal de choper 2 ou 3 légendaires, là. Ah, du violet. Du violet, ça nous intéresse. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien choper là-dedans? Un seul violet, 2 violets. Nice, propre. Très très bien ça. Bon tirage. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui arrivaient à choper des... genre 2-3 légendaires dans un tirage. Fou le truc, fou. Encore? Son bouclier fait penser à un bouclier dans WoW. Vanilla. Chalmers. Ouais. Et le deuxième du coup? Ok. Preezer. Je l'avais pas, donc je prends. Ça complète la... Il nous reste 40. Ça complète la... Ça complète la collection du bleu. Allez, faudra un autre petit lège là. Un autre petit lège, ce serait pas mal. Let's go. Ça, c'est que du bleu. Donc, on peut passer. On s'en fout un peu. C'est de la food. Une petite Bérénice. C'est cool parce que la mienne n'est pas maxée. Parce que j'avais food la mienne pour Gabriel. Celle qui était full éveillé. Full raisonné. Ok, du violet. Ça part de là. Alors, faut savoir que si tu ne chopes pas le légendaire du moment qui est en vedette au bout de 450 invocations, tu l'as. Mais 450 invoques, c'est assez énorme parce que bon, on voit qu'ils sortent quand même un petit peu des persos. Ah bah tiens, on l'avait demandé, la petite Chloé, elle est là, tiens. Petite Chloé supplémentaire, ça fait plaisir. On prend totalement cette Chloé. Chloé, personnage indécent, notamment en holo combat, c'est phénoménal la puissance. Alors la mienne n'est pas 60, mais quand t'en croises une, t'es comme un dingue, quoi. Alexa, ok. Il n'y en a que 2, je crois. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Ça fait plaisir, une petite Chloé. Mon coloc n'a toujours pas Chloé, il va péter un plomb. Il la cherche. Il m'en reste plus que 20. Il m'en reste plus que 20, plus les 10 que je vais avoir en bonus. Oh, let's go! Let's go, petit légendaire. Allez. Donne tout ce que t'as. Double légendaire, là. Tu me fais plaisir. Ok, un légendaire, 2 violets. Ouh, il est fat, celui-là. Celui-là, il est très, très fat. Alors. Brian. Freddy Krueger. Drow. Tangyun, ok. Tangyun, bah décidément, back to back de Tangyun. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? Oh, Sally! Énorme, je l'ai déjà. Hein. Je vais pouvoir la raisonner. Oh, ça c'est fat. Hein. Très très bien. Très 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 bien ça. Ah oui, je prends. Une petite résonance sur Sally. Je prends toi. Encore toi? Bah décidément, elle est partout, elle. Hein. Elle, lui, j'en sais rien. Ok. Oh là. Et un petit violet supplémentaire. Oh, un petit Jacob, mais je prends un petit Jacob pour le raisonner. Oh, let's go. Je prends un up énorme, là. Je vous le dis direct. Je suis en train de prendre un up de ouf, là. Ok, la pitié repart à 0. Il m'en reste 10. Et ensuite, j'en aurai 10 de plus, du coup, dans le bignou. Ça fera 110 invoques. C'est pas déconnant, les gars. Du bleu, on peut passer. C'est du flambi, c'est du food. On fout de tout, là. Hop. Hop. Ça dégage. Alors, je vais récupérer mes petites récompenses de... On clique où, là? Ah, d'accord, ici. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Et la dernière rota, on est à 107 à la pitié, on a le time. On a le time. Légendaire? Oh, let's go, il compte double, celui-là. Il compte double. Oh! Oh, what? C'est quoi ce tirage de fou furieux? Laurent. Non, Lorraine, bien sûr. David, ok. Bérénice, très bien. Ok. Fais-moi rêver, tonton. Oh, c'était ça le scintillant. Oh, un petit Liling. Je l'ai déjà, mais je le prends. Ça va le raisonner. Mon coloc va être vraiment fou, là, pour le coup. Et let's go, un petit Liling.
Bon, j'aurais préféré un lèche que j'ai pas, hein, mais on prend quand même. Hein. C'est toujours mieux ça que de prendre un lèche de merde. Alors ça, c'est un perso que les gens utilisent en Fafnir. Pas ça ouf, moi, mais... Why not? Ok, très très propre. Extrêmement propre. Alors là, on s'est un petit peu gavé. Vous savez ce qu'on va faire, les amis? On va pas se quitter de suite. On va aller tout simplement... up tout ça. Hein. On va aller up un petit peu tout ça, si j'arrive à cliquer sur Esper. Alors... on a une petite Sally à raisonner. Ça fait extrêmement plaisir. Hop, hop. Alors ma Sally a 55 000 HP, je crois. Un truc comme ça. Donc autant te dire que... Oh là là, qu'est-ce qu'on aime ça. Oh, qu'est-ce qu'on apprécie ça. Autant te dire que ça fait très plaisir. Tac, tac, tac. Hop. Voilà, 6% de vie en plus. Elle a combien de vie là? Elle a 16 000 plus 37 000. Voilà, elle a 52, 53 000 HP. On est pas dégueu, les gars. On n'est pas dégueu. Liling. Pareil, je te raisonne. Voilà. Ça va récupérer des dégâts, cette histoire-là. Alors, il n'est pas encore en marteau de Thor, mon Liling. Mais je sais même pas si je vais le passer marteau de Thor ou Hades pour le farm. Parce que le problème, si tu le mets en Hades, c'est que tu peux... C'est difficile de le sortir du farming et de l'arène, quoi. Du PVP. Alors que en marteau de Thor, tu utilises vraiment partout, quoi. Donc ça, c'est éveillé. On avait aussi un Jacob à éveiller. Fatigué, mon petit Jacob. Alors Jacob, ce qu'on va lui mettre, c'est de la vie. Hein. C'est un personnage qui est quand même assez faible, en termes de points de vie. Et ce qu'on veut, c'est qu'il survive un petit peu, quoi. C'est vraiment pas mal. Ils ont fait plein de petites mises à jour sur les designs et tout. C'est vraiment stylé de ouf. J'ai pas eu un sender aussi, si. Mon deuxième sender. Ça, c'est cool. Ok. Ouais, on prend, bien sûr. Hein. Là, j'ai un très bon up parce que c'est des persos que j'utilise souvent. Donc, je suis très très content. Ouais. Ok, ça c'est bon. On avait aussi Chloé. Alors Chloé qui est pas up pour l'instant. Alors toi je vais littéralement te verrouiller instantanément. Chloé qui n'est pas up encore chez moi, elle est que level 40, elle est même pas 50. Mais bon, quand je vais la passer 60, vu le nombre de fois qu'elle est raisonnée, elle va faire le café. Hein. Je peux te dire que ça va être quelque chose cette histoire. 15% d'attaque, bonjour, salut, à plus. Hein. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on a autre chose? On a elle qu'on peut raisonner. Hop, hop, je la raisonne, même si je vais pas l'utiliser maintenant. Voilà. C'est pas trop mal. Hein. Je crois que j'ai pas grand-chose de... Ah oui, je voulais raisonner aussi ma... Nouveau. Ah oui, c'est vrai. Tac, on va verrouiller ça. Voilà, après le reste c'est que du acquis. Le reste c'est que du acquis. Hein. On est d'accord. Hein. J'aime beaucoup comme ils ont fait les nouvelles. Les couleurs à l'arrière là, c'est vraiment top top. Je vais juste raisonner ma Bérénice. Parce qu'en fait, j'avais une Bérénice full raisonnée. Mais pour faire Gabriel, je l'ai utilisé parce que j'avais la flemme d'attendre. Du coup j'ai utilisé ma Bérénice full éveillée. Mais bon, voilà, ça va vite. Hein. C'est très très simple à éveiller. Hein. J'ai beaucoup de... Hop, 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 hop. Voilà, 24% mon petit loup. 24% de points de vie. Il faut savoir que plus tu lui mets du point de vie à elle, plus elle pose des gros shields. Donc là, tu vois, elle est level 50, elle a 29 000 points de vie déjà. Ça commence à être intéressant, tu vois. Ça commence à être très intéressant. Bon les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez la chance d'avoir le nouveau légendaire, pas comme moi, ou que vous tirerez des trucs qui vont vous aider dans le jeu. Merci à tous. Abonnez-vous. Ciao, ciao.